Bonjour à tous, voici un holster de ma création, création James Bay. C'est un holster pour Colt 45, holster d'épaule, équipé d'un double porte-chargeur. Voici le holster pour le Colt 45. C'est un modèle pour gaucher. Toujours en cuir de collet, en tannage végétal, en 3,3 mm d'épaisseur. Le holster est moulé à la forme du Colt 45 A1 1911. Équipé d'une fixation à la ceinture par bouton pression. Voici. Et si on le retourne, on voit qu'on a des possibilités de réglage pour adapter au mieux à la ceinture. C'est un holster, comme je l'ai dit, pour gaucher. Équipé d'une sécurité coup de pouce dont le bouton pression est feutré pour éviter toute griffe et abîmer le bronzage sur le pistolet automatique. Le holster est équipé aussi d'une vis de tension du Colt 45. J'essaie de vous montrer l'intérieur. Voilà, plus vous serrez la vis, plus le 45 est serré dans le holster. Un double porte-chargeur spécifique Colt 45. Voilà, pour du 9x19 par exemple. Voici. Même chose, hein, équipé de deux vis de réglage et de petits amortisseurs à l'intérieur qui permettent de serrer plus ou moins les chargeurs dès lors où les boutons pression sont ouverts. Une fixation aussi à la ceinture par bouton pression avec cette lanière. Voici. Et voici, le chargeur est en place. Un harnais en cuir souple, cuir de vachette. Des vis de réglage en inox sur les quatre branches du harnais qui permet de régler à sa convenance. Voilà. C'est le principe du holster Galco Miami aux États-Unis.